Il y a quelqu'un ici de présent? You don't speak French. You don't speak French. What's your first name? Quel est votre prénom? What's your first name? Your spirit or an entity? Who are you? Are you dying? What's your name? Quel est votre nom? Pouvez-vous parler en français? What do you do here? Que faites-vous ici?
Que dire de tout cela? Si une confusion peut s'établir, c'est qu'elle est certainement relationnelle au fait qu'il s'agit d'une affaire criminelle. Ayant mémorisé cette séance, une certaine relation avec la condamnation mentionnée dans la vidéo m'a paru tout de même évidente. Dans l'analyse des PVE, le point de départ de la réflexion est la question « Who are you ?» Qui êtes-vous ? Qui donne la réponse « Cohn ». Par contre, le prénom mentionné, Steezy, est masculin. Cette condamnation mentionne une peine de prison. PVE, Khan. Elle mentionne aussi une fille publique du nom de Cohn. Considérant que l'entité peut employer des mots ou des termes significatifs ou subtils, les insinuations envers fille publique peuvent aussi paraître plausibles. Au début, Codend, en anglais, signifiant cul de chalut, je relève surtout le mot cul. À noter aussi que dans le mot Codend, il y a la syllabe code, qui signifie morue. Morue est aussi une appellation argotique pour désigner une prostituée ou une fille publique. Ensuite, à la fin, kale signifie chou frisé. Le mot chou fait partie en français de l'expression populaire avoir le cul en chou-fleur, donc avoir des hémorroïdes. Je vous laisse imaginer la signification dans ce contexte. Nous pouvons aussi entendre par kale l'argot mentionnant la ch'touille, soit toute maladie vénérienne. Il me reste une incertitude pour le PVE notch, qui signifie en français entaillé, coché, encoché. Par rapport à la question, il serait préférable d'entendre no. En ce sens, j'espère avoir vos versions, vos traductions et vos avis. N'hésitez pas à me les donner, que ce soit en commentaire ou en privé.